encore à mon corps. Pour l'Église collège de Christ de ma foi. Nous allons faire la lecture de nos textes. Nous prenons Josué chapitre 2. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 21. Je nous prierai de bien supporter la lecture. C'est vraiment là que se cache la pensée de la prédication de ce matin. Les frères vont nous aider avec la lecture, nous on va interpréter ou traduire en lingala. Josué chapitre 2, premier verset. Josué, fils de Nun, Yoshua, moine Mobali, Nun fit partie secrètement de Timin, des espions. Atindaki nankuku koloba namboka sitin, banongi mibale, en leur disant, nakwe sabango boe. Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici. Cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prie les deux hommes, et les cachant, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et de vous les atteindre. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin et qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces hommes les poursuivirent pour
par les chemins qui mènent au quai du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'il fit sortir. Et avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terre que vous espérez nous a saisi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens et du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, je vais moi par l'Éternel que vous n'aurez pour la maison de mon père, vous aurez pour la maison de mon père la même beauté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers vous, envers toi avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre. Car la fenêtre qu'elle habitait était sur la maison. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment. Nous serons quittés du serment. Que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays. Attache ces cordons de fil cramoisi, zoasinga oyo ya montane ya poule, kanga yango à la fenêtre par laquelle tu
nous fait descendre. Na liminisa na zela wapi okitisibisho. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père. Non. Recueille auprès de toi dans la maison. Dans la maison. Ah, soit kati na ndako na yo. Ton père. Ah, beka tata na yo kota na ndako. Ta mère. Maman na yo kota na ndako. Tes enfants. Tes frères, bande kunalonyo soba ya makota na ndaku, et toute la famille de ton père. Ben ipota mo bibatata na yo benga bangonyo soba kota na ndaku. Si quelqu'un descend de la porte de ta maison pour aller dehors, soki moto moko abimi na ekuka na kona opona kokenda libanda, sans ça retombera sur sa tête. Makila na ye ko sopa na motu na ye moko soki to bomie. Et nous en serons innocents. Bébiso toko zalate bato na mbeba likola motoana. Mais si on met la main sur les quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, si soki bakangi moko ya moto azali na katanda kona yo bango baye bakangi babomi sans ça retombera sur notre tête. Ah, makila na ye kokweyaka na motu na biso. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, ceux qui payent au pandi sangona biso, nous serons quittés du serment que nous serons quittés. Nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Biso to kolongwa na ndai oyo yo sali biso. Verset 21. Elle répondit, Béayanoli, qu'il en soit selon vos paroles. Ah, et ça la coula dit sa malobana bino. Elle prit ainsi conjugué. Ah, yé, a pepa ki bango ma kabwani. Et il s'en allait. Pe ma kenda ki na bango. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Pe a kulisa ki singa ya montagne wana ya boule na liminisa. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, le verset 30, jusqu'au verset 31. Hébreu 11, 31. C'est par la foi que le Jéricho est tombé. Nebifelo ya Jéricho et Kweaka, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Sima ya kobaluka engumba wana mikolo sambo. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec le rebelle. Et sali na nzela ya kondima nde Rahab mwasi ndumba ya kufaka te elongo na batombo. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Eti ayambaki banongi mboka Isalele na bolamu nyonso. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si Jésus-Christ a parlé la Bible. Nous allons prier un tout petit peu et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de parler à ton cœur. Dis au Seigneur de t'ouvrir l'intelligence et l'esprit. Dis au Seigneur de chasser tout esprit qui peut te troubler. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, Zabela Bonheur, oh Dieu, Zabela Bia, je te recommande, Seigneur, ce moment, oh Dieu, sois avec nous, Seigneur. C'est la mission de l'homme. Je me la mission à Yéle à Bolibou. Je me la mission au corps de l'homme à la mission et l'État. Mon pays, madame, moi, Zalim. Il semble à l'Obaka et que la lumière soit et la lumière est fou. Oui, à l'Obaka, Lazare est ici, je vais l'heure. Et Salem. Et l'Iskishé, Raja, Kamaniama. Et l'Iskishé, Raja, Kamaniama. Et l'Iskishé, Raja, Kamaniama. Et l'Iskishé, Raja, Kamaniama. Et l'Iskishé, Raja, Kamaniama.
Que Dieu te bénisse. Amen. Avant que Dieu te fasse du bien. Toi qui as quitté la maison jusqu'en ce lieu. Que Dieu se souvienne de toi. Que ton droit ne passe pas inaperçu devant le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Qu'il ouvre tes portes. Il ouvre les chemins pour toi. Même si tu ne vois pas les chemins, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre les portes de ta vie. Là où tu n'arrives même pas à penser au sujet de ta vie. Là où la réflexion est impossible. Que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que tu n'es pas venu au devant des hommes, frère. Tu es venu au devant du Seigneur Dieu lui-même. Daniel avait dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ te fasse grâce. Dieu te fasse miséricorde, frère. Je demande encore que Dieu puisse t'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes la parole de ce matin. Parce que le salut de Dieu est caché dans la parole. La vie éternelle. Dieu l'a mise dans la parole. L'immortalité, l'éternité, Dieu l'a mise dans la parole. C'est en écoutant la parole tu seras changé pour devenir la parole. Afin que ce jour-là tu sois participant de l'enlèvement. Et puis que nous parlons à Dieu au la tête. Le jour où le Seigneur Jésus reviendra. C'est pourquoi que Dieu te fasse cette grâce. Nous sommes en train de parler sur notre terre. La promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. Et la carrière comporte la compagnie en Zambé Zanani. Amen. On avait déjà commencé à parler. On a vu comment est-ce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Par la Pâque. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Ils ont marché dans les déserts. Mais on a dit que certains n'étaient pas agréables à Dieu. Alors Dieu les a fait périr dans les déserts. On avait aussi avancé. On était entré dans l'étape des Cana. On a montré comment est-ce que Josué a traversé le Jourdain. Amen. Amen. Et après cela, il veut faire la conquête du pays. Et c'est là qu'il va se moquer. Il devait faire la conquête du pays par la guerre. On avait montré ceci. Il était écrit pour vous ou pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Mais après cela, on a ajouté encore. Forcez-vous d'entrer dans les repos de Dieu. Le premier repos dont on nous parle, c'est par la foi. Pour nous qui avons cru à la parole de Dieu, nous entrons dans les repos. Mais il y a encore un
même mouvement. L'effort à faire pour posséder les repos. Mais vrai que nous sommes entrés dans les repos par la foi. Il y a encore un deuxième mouvement du combat. Beaucoup de combats à livrer pour posséder les pays. J'avais montré cela. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. Ils n'ont pas commencé directement à combattre. Non. Ils devaient attendre. C'est pourquoi je dis. Quand ils traversent sans combattre d'abord. Maintenant, ça y est, il fallait une deuxième étape. Et c'est là qui est à perdu balaya. De la conquête pour posséder les pays. Il y a des tours pour dans un mot. De la matérialisation du repos dans lequel ils sont entrés. Si la matérialisation, que les repos ne soient pas seulement par la foi. C'est pourquoi pendant ce temps-là, lorsque Josué s'est retiré un peu, parce qu'il s'était retiré. Josué s'est retiré. Il était chef du peuple. Il devait chercher la solution par rapport à tout ce qui était devant lui. Parce que les villes qui étaient devant lui étaient fortifiées. Il devait prendre cela par la guerre. Par les batailles. Alors il s'est retiré. Et c'est l'habitude aussi que doit avoir un chef du peuple. Il doit avoir l'habitude de se retirer même lui-même. Pour trouver les solutions par rapport aux besoins du peuple. Lui aussi, sachant que le peuple a besoin de posséder la terre, il s'est retiré. En se retirant, quand il va lever les yeux, il va voir un homme. Un homme debout. Son épée hors du fourreau. Josué n'avait pas peur de cet homme-là. À la première vue, il n'avait pas peur de cet homme. Il s'est avancé contre cet homme-là. Josué alla au-devant de lui. Imaginez-vous, tu vois de loin un homme avec une arme. Toi, tu ne le connais pas. Il a posé la question. Qui es-tu? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Josué n'avait pas peur. Il savait que c'est Dieu qui l'a établi. Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui l'a établi d'être chef d'Israël. Dieu qui l'a fait traverser les Jourdains, c'est lui qui l'a fait établi. Il est sur la terre, il ne devait avoir peur d'aucun homme. S'il te voit avec l'épée hors du fourreau, il s'est avancé vers cet homme-là. Il a posé la question. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Cet homme-là lui répondra particulière. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Nazali, mon conseiller, ma pingaya yawe. On t'a posé la question.
question. Qui est de l'autre? De nos ennemis. Et lui ne répond pas comme tout le monde. Il y a le Dieu qui répond par vrai ou faux. Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque je suis entendu cela, se prosterner devant cet homme-là. Changer de langage. Il a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il a compris que c'était le Dieu d'Israël qui se présentait devant lui. Non avec l'épée des hommes. J'arrive maintenant. Alors il dit j'arrive. J'arrive maintenant. Parce que c'était le temps de la conquête du pays. Le temps de la matérialisation de tout ce que Dieu a commencé à faire depuis l'Égypte. C'est cette étape-là échoue. Enlève tes souliers. C'est le lieu où tu te tiens. C'est une terre sainte. Alors enlève tes souliers. Je vous avais dit ceci. Dieu, son langage, c'est difficile. Dieu, pour le comprendre, c'est difficile. Mais il nous aide à le comprendre. Il a toujours l'habitude de nous aider à les comprendre. Pourquoi il utilise la répétition? S'il n'utilise pas la répétition, les hommes ne les comprendront pas non plus. Moïse a accepté. Il s'est présenté à lui. Il a dit d'enlever les souliers de ses pieds. Vous avez vu ça? Lorsqu'il va apparaître là-bas à Josué, il va lui répéter les mêmes paroles. Là-bas, ça n'était plus dans les buissons ardents. Sorti de l'Égypte, bon Dieu lui-même qui devait l'accomplir. Il avait dit à Moïse d'enlever ses souliers. Il a dit à Moïse, en réalité, ce n'est pas toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. C'est moi l'Éternel qui veut les délivrer. C'est lui qui enlève les souliers dans la loi. C'était un homme incapable.
souliers. C'est lui même il est sorti du buisson là pour porter ses souliers là. Et payez mon temps de mille en cette époque la moto. Voici qu'à tes poils dans sa patte. Nous disons que Moïse est parti en Égypte de pieds et nus. Et dans un moment, il démontre que les gens qui l'Égypte ont encore consolé. Ça, c'est dans la révélation, frère. Et c'est pourquoi j'arrive maintenant.
parce que je sais que la paix n'arrivera pas. De la Bible. Mais il y a une histoire de la Bible. Je vous dis, ce n'est pas seulement une simple histoire. Mais c'est ta vie. Et on était en train de raconter cela. Mais en utilisant des signes. En utilisant d'autres personnes. Ne jamais aussi parler de toi. On a envoyé deux personnes. On les a envoyées secrètement. Allez explorer les pays. Et venez nous donner les rapports de ces pays-là. Parce que c'est l'une des villes que nous devons conquérir. Lorsqu'ils sont arrivés dans ces pays-là, directement ils sont entrés dans la maison d'une femme prostituée. Et que Dieu fait toutes choses pour un but. Vous venez directement dans un pays. Vous entrez dans la maison d'une femme prostituée. Directement. L'information parvient aux oreilles du roi de Jéricho. Je ne sais pas qui. Directement, il a appris qu'il y a des gens qui sont entrés ici. C'est pourquoi je te dis que ne joue pas avec les diables. Cette femme n'a pas repoussé les enfants d'Israël. Elle les a recueillis. Quand elle a vu qu'on était venu les chercher, venu chercher ces gens-là, afin qu'elle puisse les livrer, elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt pris ces deux hommes. Elle les a cachés là-bas. Je vous dis que ces deux hommes-là, c'est la parole. Aujourd'hui, la parole est à nous secrètement. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas la splendeur de ces choses. Ils étaient deux. Ils allaient à deux. Vous parlez de la parole et de l'esprit. C'est ce que Jésus dit. Dans Jean 14, le verset 23. Dit, celui qui garde ma parole. Moi, Jésus. La parole. Et l'épée. Esprit. Nous viendrons à lui. Donc, ce sont les deux esprits. La parole et l'esprit. Est-ce que vous me saisissez? La parole et l'esprit. C'est l'image encore des deux anges qui étaient allés dans la maison de l'autre. C'est pourquoi l'autre les avait appelés mes seigneurs. Ces gens ici. Ils ne sont pas comme tout le monde. Il les a appelés mes seigneurs. Et il les a recueillis dans sa maison. Et
C'est la même chose qui s'est passée avec Rahab la prostituée. Des femmes prostituées. Et Tamoraba Yamaka Bamona Bopolo, Libosama Sidumba. Non, j'ai dit la douceur des prostituées. Et Bopolo et moi Sidumba. La gentillesse comme les prostituées en or. Naissez mon égale à Sidumba. Il a appelé ça la foi. Oui, mon sang t'avait gagné au Kondima. Lorsqu'il y a des réserves, ces gens-là. Tamoya Yamaka Baton. On appelle ça la foi. Avec un Kondima. Alors qu'elle ne les connaissait même pas. S'entendez, Yamaka Tabamoti. C'est pourquoi j'ai dit. Il dit la fenêtre par laquelle tu nous as fait sortir. Abina l'immense manzelo a pu comme il s'est dit. Le cordon de fil cramoisi. Et bien vos assignes à Montanel, tu vas l'attacher là-bas. Yo, pour qu'on ait un recours.
et appelle tous les gens de ta famille. Ton père, ta mère, maman, tes frères, tout le monde là de la famille de ton père. Entrez dans cette maison. Vraiment, je ne sais pas quelle était la grandeur de cette maison. Mais appelez tous les gens de la famille de Rahab comme ça. Entrez dans cette maison là. Cette maison là, c'est un mystère. Ce n'est pas une maison comme toutes les maisons, frères. La maison d'une prostituée qui contient tous les membres de la famille. J'aimerais vous dire, bien aimé. On n'a pas dit Arabe, appelle ton ami. Appelle ton voisin. Appelle. Non. On appelle les membres de ta famille. Les gens que nous sauverons. Nous sauverons. Ce sont les membres de ta famille. J'aimerais vous dire les choses de Dieu. C'est pour une famille. J'ai dit les choses de Dieu. L'évangile éternel. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens de la famille. Vous savez, Rahab, hein? Quand elle marchait, elle croise en route. Tu es son cousin. Il voit chez moi là-bas à la maison. Il y a quelque chose, fais vite, c'est urgent. Pourquoi tu es son ami? Ceux qui écoutent les autres amis, sa vie se met, sa vie elle passe. Après, si on peut aller. Mais si tu es membre de sa famille, ce que vous allez voir, c'est urgent. C'est urgent. S'il croit sur son voisin, ceux qui écoutent les autres amis, il dit pas toi. Et elle passe. Elle est allée chercher son oncle. Ça a été à l'outil de l'autre. Il dit, oncle, il y a quelque chose là-bas à la maison, c'est urgent. C'est pour une famille. Ce n'est pas pour tout le monde. Et ça pour la bataille. Il faut voir les cœurs que tout le monde croit à la parole. Prêche la parole. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui croit pas, il prie pour lui. Vous savez, il est un fils de Dieu qui croira à l'avenir. Laisse-le. Il n'est pas de notre famille. Parce que ces choses ici, c'est pour les gens de la famille. Il y a des gens hein, que nous nous retrouvons comme ça matériellement dans ces choses physiquement. Ils sont même des prédicateurs. Non, ils sont même des prédicateurs. Mais ils n'ont ni part ni l'eau dans ces choses. Il est toujours dans des conflits. C'est bon, c'est vide. Il n'a pas les soucis de notre pays. Notre pays n'a pas honte. Il n'a pas de part dans ces choses. Il n'a pas de part. Est-ce qu'il n'est pas de notre famille? Dieu savait. Pourquoi il avait recommandé à Rahab d'aller chercher les gens de la famille? Ils vont faire cause commune. Je te dis qu'on est famille par la parole de la vérité. Si quelqu'un n'a pas la parole de la vérité, il ne garde pas la doctrine de Christ. C'est pas de notre famille. Parfois, il ne faut pas se donner de la peine. J'ai d'autres personnes. Et pas la bataille. Il faut les laisser comme ça. Et d'ailleurs, celui qui avait endurci Pharaon, c'était pas Moïse. Tu peux faire des miracles. Tu peux prêcher. Les feux te sortent de la bouche. Mais les gens ne te croient pas. Imaginez Moïse faisait descendre des choses en Égypte. Pharaon ne les croyait pas. Si notre évangile est voilé, ce qui s'est mon la vie, c'est si pas est voilé pour ceux qui périssent. Et si pas mis pour la bataille, pas au peignoir. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Oh, la pizza, mais il y a quelqu'un à Il y a des gens et ça, que
Satan a aveuglé l'intelligence. Oh, Satan a tangi ba yena ba. Ils ne comprendront jamais la parole pour aller en enfer. Parce qu'ils ne sont pas de notre famille. Si je parle de la famille, la parole de la vérité. Je ne parle pas des assemblées de saints écrits sur les murs. Aujourd'hui, il y a des assemblées de saints des murs. Nous ouvrons les assemblées de saints des apôtres. Parce que les gens de ta famille, vous tous entrez dans la maison et mettez le fil cramoisi. Montagne, on est à couler. Montagne à bouler à mol. Parce que pour passer montagne à Bokondi, il a mis le fil cramoisi. Les espions sont partis. Mais les espions lui avaient dit, à notre arrivée dans le pays, on doit vous trouver tous dans la maison. Parce que si l'un de vous se trouve dehors, et qu'on vient mettre notre main sur la personne là, et qu'on le tue, son sang retombera sur lui. Parce qu'il ne s'est pas trouvé dans la maison où il y a les fils cramoisis. Je te dis, cette maison là, c'était la maison d'une prostituée. Et après avoir reçu les espions, et après avoir attaché les fils cramoisis, cette maison là devient la parole de Jésus Christ. Tu es capable de changer des choses que toi tu négligeais. Il y a vraiment des choses vraiment que toi tu voyais vile. Pourquoi je t'exhorte, frère? Mais à moi, ne faut pas négliger les gens sous ce soleil. Dieu puissant. Moïse. Moïse. Il marchait tout le temps avec sa verge. Je ne sais pas si pendant 40 ans. Il avait sa verge. Il avait dormi avec sa verge au chevet. Il était tous les jours pendant 40 ans, il sort avec sa verge. Qu'as-tu dans ta main? Ils ont poussé des cris. Ce n'est pas comme on
plongeante. Dans l'Oyembo, il y a pas un bas, je rigole. Non, c'était pas l'Oyembo, mon frère. La maison de cette femme était sur la miraille. Alors, il n'y a pas de la miraille s'est écoulée. Cette maison-là ne fut pas détruite. La maison est descendue comme un péché. La maison est tombée dans le péché. Cramoisi m'a soutenu. Singa et Makina, je t'aime. Je te dis, les filles cramoisi. Singa et Makina, je t'aime. Une grande maison sur la miraille. Espions. Vous, pas moi je suis. Allez, entrez. Et là-bas, faites sortir la prostituée. Et tous les gens de sa famille. Ça veut dire que la maison n'était pas détruite. Et la parole que tu as reçue, le Saint-Esprit qui est en toi, te place dans ta vie. Parce que la chute de la miraille de Jéricho, et tout qui a Jéricho, c'est comme la chute de ce monde. Et ça, c'est comme la chute de ce monde. Les jugements de ce monde. C'est ce que dit Esaïe 2. Vous allez lire ça même à la maison. On dit Dieu. Il a un jour préparé. Oui, il va venir faire tomber seulement les grottes et murailles. Il va faire tomber les géants. Il va faire des murailles. Il va venir faire tomber ça. Donc ça veut dire que quand Dieu viendra sur la terre, il voit les murailles détruites. Il ne sait pas si je vais tomber. Non, non. C'est pas ça. Les miracles ont parlé du monde. Le monde dans lequel nous sommes avec son système. Maintenant, la maison des Rahab. La maison des Rahab était la maison de la prostituée avant l'arrivée des espions. Amen. Cela veut dire qu'ils étaient dans le monde. Lorsqu'ils ont reçu les espions, c'est la parole de Jésus qui s'accomplit. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Même quand la miraille s'écoulera, vous ne serez pas détruits. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais on a sonné la trompette et parti ça le septième jour. Quand on a eu le téléphone, on a crié. Quand on a gagné, la miraille vit tomber. La miraille s'est écroulée. Et tout tourné. Oui. Et Rahab. Et Rahab vit sauver. Et cette Rahab, c'est toi. Et Rahab, allez, vous savez ce qui est arrivé? Oui, et bien, comment dire? On a pris Rahab. Vas-y, Rahab. Et sa famille. On les a amenés là-bas dans les camps d'Israël. On a exterminé les gens de Jéricho. Et après, la femme qui était prostituée. Qui était prostituée? Mais qui fut justifiée par la foi. On a pris un homme de la tribu de Juda. Qui était de la lignée royale. On lui a donné comme époux. Et c'est Rahab qui a enfanté Boaz. Boaz que nous prêchons tous les jours les rédempteurs. Boaz, ton père va m'aider sur mon talisico. C'est l'enfant de Rahab, la prostituée. Là. Mais moi, de Rahab, moi, si nous pas. Elle s'était mariée à Salmon de la tribu de Juda. Et payé. Elle s'était mariée à Salmon. Payé à Balakastama. De la tribu de Juda. C'est l'enfant. Après avoir reçu la parole. Dieu te sauvera au jour du jugement. Ça, il va te
personne. Il n'arrive pas à t'engloutir. Remercie le Seigneur pour la parole. Donne pour la remercie d'abord le Seigneur pour la parole. Donne pour la lui qui devait intervenir. Yes, c'est qui a ya. Dans la conquête des Canaan. À côté de tout mes banana. Donne Zambé. Laisse merci pour la Liloba. Et bien salut madame. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu.